Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'aventure Temporis de Dofus Retro Monoconte. C'est le quatrième jour, et pour ce quatrième jour, eh bien, je vous présente une nouvelle zone de farm, et ensuite, eh bien, nous sommes partis en guide pour faire un château Wabbit, histoire de débloquer le défi Diop, et ensuite bah, faire le Dofus Kawet. Ce château Wabbit, il était vraiment excellent, très drôle, notre guide, il y a vraiment une super ambiance, et j'ai passé un super bon moment. La zone de farm du début de vidéo, c'est Terdala. C'est pas forcément la meilleure zone de farm en termes d'XP, mais en tout cas, vous allez le voir, bah, ça génère aussi pas mal de drops, et donc des petits kamas à se faire à droite à gauche, histoire de prévoir des achats de panneaux futurs. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo jour 4 va vous plaire. Sans plus attendre, et bien bon visionnage à tous. C'est quand même du bien de taper du moins 300. Le sort est quand même vachement pété. Allez, c'est l'autre à côté. Bah Yukina, tu peux le finir, je pense. Avance-toi ici. Ou tu te mets devant moi ici. Ouais, ou devant, t'as 5 PM, pardon. Ah bah non. Oh, merde, tu l'aurais pas tué, je pense. Tu l'aurais pas tué. Il restait encore centré. Il aurait fallu que je crit. Parce que t'es fou que sagesse. On fout l'intel juste après, plus fort. Et plus tard, on te prendra une bonne baguette aussi pour taper. Ouais. Beaucoup plus tard, vers le niveau 130, on va dire. C'est pas encore. Et d'ici là, on va essayer de te choper. Je regarderai là, je vais le prix, mais une petite baguette des limpes. C'est niveau 105, ça donne 1 PA, 1 PM. De l'intel et de la sagesse. Voilà, j'ai absent. BO. Mais c'est encore Elisabeth. Mais c'est un scandale. Le tutu. Mais c'est un scandale. Et Xelar, s'il chope un chapeau. Ah, mais c'est un scandale. Et moi, je drop rien, moi. Moi, je drop une vieille ceinture pourrie, là. J'ai eu un tutu. Ça, j'ai gagné presque un level entier, pour le coup. Pas dégueu, là. Wouah, les damage. Et bam. Encore du boost, encore du boost, plus de boost, toujours du boost. Vive les ennemis de rétro temporis. Moi je dis ça, c'est que des dommages fixes là. Quand tu vas me donner des dommages finaux, oh là là, sur moi ça va être insane. C'est quand hein, que j'aurai ça? C'est quand les sorts passent niveau 6. Ah, et c'est quand niveau 6? Moi de sacrifice, je crois que c'est 142. C'est pas encore. Et là, ce que je te mets, genre mode... Ah oui, 142. Par contre, mot soignant, c'est 109, je crois. Ça, ça va. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc ça sera bien utile. Du coup, ce sera limite mieux que tu me mettes... Ouais, non, ça sera toujours bien sacrifice. Ouais. Toujours bien sacrifice. On verra. Mais voilà. Combien t'as dit? 109 ou 106, je sais plus. Bah, c'est quoi, il est niveau 6, ouais. Le sort, en fait. Donc c'est 100 niveaux de plus que le... C'est marqué niveau. Sur les trucs. Ouais, c'est marqué le niveau que tu l'obtiens. 103. 103. Oh bah, je suis déjà 100... je suis 104. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Des et après, on va à droite là. À droite, ouais. Bon, le chemin est pas très compliqué. Hein. Let's go, Akishi. Allez, go, go, go. Allez, allez. Et lâchez un petit chèh en guide. Non, je déconne. Oula, let's go. Attendez, faut aller dans la cabane ici. Là, faut aller en haut. Une fois que vous êtes dans le tunnel, faut aller en haut. Bon, il va y avoir des mobs là, je pense, normalement. Là, encore en haut. Oh lolo, il y a des mobs qu'on se pose. Faut cliquer vite. À droite. Mais comme on a cliqué avant, qu'il se pose. Attendez pas, bande de salauds, c'est ça en fait. Ah, quelqu'un s'est prêt. Attendez, je reviens. Je reviens. Là, c'est à droite. Attendez, attendez. On va l'attendre ici, ouais. On va l'attendre ici parce que sinon il va se perdre, il faut le prendre par la main. Alors faut que je rentre dans le tunnel. Ouais, bah ouais. Tunnel. Et tu vas en haut. Et tu vas en haut. Non mais ça repop. Hein. En vrai ça repop vite, c'est normal. Ouais. Si tu te les tapes. Oui, ouais, c'est tranquille. Oh
Oh mon dieu, quel bonheur, c'est la nouvelle Illwabit 2.0, vous imaginez pas. Les mobs ils aggro plus. Ah mais c'est trop facile si ça aggro plus. Oh mais il casse. Non, mais en fait t'as beaucoup plus de quêtes à faire. Si je suis au milieu, je suis obligé de le faire. Il tape tout seul. Il va cliquer tout le tunnel. Là faut lutter des cabottes là pour son sort là. Non, ça c'est juste parce que j'ai lancé un chier dans la gueule. C'est bon. On passe à droite. À droite là, à droite, à droite. Prochain qui dit chier, on l'abandonne. On prend la petite sortie. Allez, ouais, cette petite troupe. À droite. Alors après, là, vous bougez pas. Il faut juste prendre la clé du Wabbit. Le Wabbit, il est à droite. Vous prenez sa clé. Non, attention, Mickaël. Il a bougé au moment où j'ai cliqué. Vous avez pris votre clé. Allez, vous faites demi-tour. Allez, on retourne dans la petite cabane. En bas. Là à gauche, là, tout, en bas à gauche, en bas à gauche, en bas à gauche. Un méga set, il était déjà tout près. Là où il y a le Sadi, ouais. On traverse. On passe à gauche. Ouais, tout le monde a sa deuxième clé, je pense. Bon. On verra bien quand on sera devant le château. En bas. Tu le seras. Ah, on a perdu non, le SRAM. Devant, non, c'est bon. Non, je suis tout devant, je suis devant. Ok, ok. En haut. Passez vite, il n'y a pas de Wabbit. À gauche. Il y a un Wabbit qui est au milieu, non, à gauche. En plus, le pire, c'est que c'est vraiment ça, à gauche, à droite. En bas. En bas. Attention, il y a un Wabbit. Donc, cliquez plus sur la droite. Ensuite, là, faut prendre la cabane de droite ou de gauche. On va prendre celle de droite. Attends, je vais pas trop vite. Hein. Ah, bah, à Guichy. Ah, c'est à Guichy. À droite, là. Cabane de droite. On descend. Une fois dans la cabane, vous descendez. Et là, il y a la session des trous. Regardez-moi tout ça, cette belle famille. Il y a de la viande. Oh, ça va être un enfer, là. Non, c'est facile. Ah, c'est facile, en vrai. Oui, c'est facile. Mais si tout le monde se passe dessus, tu vas avoir le petit... Ouais, je sais, je sais. J'enlève le E, si tu appuies sur eux. Vous appuyez sur eux, vous voyez plus les autres. Vous pouvez maintenir la touche E, vous voyez plus les autres. Et vous pouvez passer, si vous avez du mal. Il faut aller, là. Attends, je t'aide, ok, là. Je t'aide. Suis le Sadi, là. Regarde, faut suivre le Sadi. Elisabeth, tu te trompes. Hein. Oui, quoi, il est parti dans mon. Oui, tu te trompes, Elisabeth. Tu es puni, Elisabeth. Tu t'es trompé. Je sais pas où tu vas, Elisabeth, mais tu y vas. Jette long. Oh non, après. Ah, mais ça se voit, les trous. Ça t'est trop invisible après. Je vais vous aider. Attendez-moi. On y va à l'instinct. À l'instinct. Attends, y'a plus d'instinct devant moi là. Y'a plus. Elle est où la lumière? Vas-y, ah, perdu. Mais c'est tout, ça dit quelque chose. Non, c'est bon. Voilà, là tu tournes à gauche, Elisabeth, tu montes. Voilà. Attendez, je surveille Elisabeth là parce qu'il va faire des bêtises. Voilà, tu descends. Et voilà, c'est bon, tiens. Alors ensuite, dans le noir. Alors dans le noir, vous êtes où? Alors. Vous allez. Il y en a un qui avance, il va avancer, on va avancer, il va disparaître. Vous allez sur la terre, après c'est 3 cases devant normalement. Il y a l'impression là, ça dit là. 2 cases sur le côté, une comme ça, après c'est 2 comme ça, une. Tac, là c'est. Oh, j'ai fait 17 kills. Comment on fait pour masquer déjà? Allez, cliquez sur lui. Ah non, ah non. Hop. Trop simple. Tu te perds, je me perds. Merde, je crois que je me suis gouré. Non, c'est bon. Je m'en rappelle plus trop. C'est bon. On va la sauver. Je vais masquer les joueurs, c'est plus simple. Comme ça, je leur marche pas dessus. Et là, on sort. Hein. On passe le tunnel. Après, vous descendez. Je suis un peu à la bourre, j'arrive. On appuie tout sur objet de quête et on vérifie qu'on a les 3 clés. Ouais, en vrai, on va vérifier qu'on a les 3 clés. Là, il y a plein de Wabbit. Donc là, vous parlez au Wabbit de la clé, hein. Celui qui a la clé sur l'oreille. Et après, vous recliquez sur le petit soleil pour revenir en arrière. Le petit soleil. Vérifiez maintenant, inventaire, objet de quête. Vérifiez que vous avez les 3 morceaux de clé Wabbit. T'en as 4. T'en as 4. 1, 2, 3. Il me tue. On repart en arrière. Allez, on reprend la cabane. Je crois qu'il est un peu bête. Excusez-moi. En vrai, elle m'a dit que c'était différent. Donc là, c'est le meilleur moment du chemin. Vous sautez. Oui. Ouais. Vous êtes vraiment des gros gamins. Je sais pas, on remonte. Comment qu'on sort? Et la même chose.
Il y a une échelle pour ressortir. Calme-toi. Ah oui, d'accord. Il y avait pas le petit soleil sur l'autre. On saute dans le trou. On va dans les trous. Ouais, tu sautes dans les trous et après tu reprends l'échelle et on ressort. Vous êtes des gros gamins en vrai. On va s'attendre à la sortie par contre, hein, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire l'appel là. Ouais, je crois que là je connais un peu. C'est comme sur 2.0. Le problème, alors, c'est le un peu. Attention, cliquez pas en haut, il y a des mobs. On passe à gauche. C'est bon, tout le monde est là. Nickel. Mon perso il fait des trucs chelous. Allez, passez vite en bas, il n'y a pas de mobs. Profitez-en. Passez vite, il y a plein de gens qui se tapent les combats, on en profite. On est des gros profiteurs. On rentre dans la cabane. Voilà, c'est tout droit, on suit le tunnel. Hein. Dans la cabane, il y a les sacs qui étaient partis. Hein. Il y a une cabane, pas de soleil, on est tous partis. Ah, hein. Oh, il y a un groupe. Allez, je me le tape. Mec, ils vont passer. Okay. Je me le fais, c'est pas grave. Oh, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, continue le chemin. Ah, Mario, ça y est, tu joues en premier, je te bloque. Ah, tu vas me pousser ça. Allez, ramène-toi, petit Wabbit. Je profite de... Oh non, après, il va y avoir les... Oh. Il y a des petits trous, mais c'est facile, les squelettes. Bah, attends-nous, hein. Oh, si tu veux, on est derrière. On arrive. Ça fait un gros jet de force. Mais vous découvrez... Oh, 347 d'intel. Oh putain, oh l'intel. Mais vous découvrez le Wamacoin. Yukina. Oh, tu buffes le Feka. Bah, je sais pas. Bah, parce que non, mais moi je la comprends. J'aurais fait pareil à ses places. Oui. Bon, les gars, je vous envoie un Wamacron. Let's go, vas-y, on le tabasse. Go, le tabasse. Il a plus ses CRS. Chopez-le. On fera nous Mojouvance ou pas? Non, en vrai, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ah ouais? Ouais, parce que ça coûte 6 PA. Faut qu'elle le fasse un par un. Elle l'a pas monté, ça coûterait trop de points de sort là pour le moment. C'est utile surtout à HL. En vrai, même avec 300 d'intel de moins, vous allez le défoncer. Ah, il y a... Oh, vas-y. Putain, je suis là. Bah ouais, mais je ne sais pas. Ah, mais le sacri... Oh. Le sacri, vraiment, il se fait PL de A à Z, quoi. Moi, le mec... franchement, mais... Pour la première fois de ma vie, je me dis, tiens, je vais faire le mec sympa, je vais prendre du pick-up comme ça en mode random. Le mec... Même pas, il a lancé un seul skill. Même pas, il a utilisé un PM. il troll maintenant. Non, mais je pense qu'au début, on lui a dit de passer son tour. Donc... Non. Le mec. Non, le tabasse. Non, le tabasse. Cette victime. Moi, s'il m'est passé châti, on peut le tabasse tranquille. Allez, hop, 14 à 8 PM. En vrai. Moi je pense que rien qu'avec le Feka, bon, ça me dégoûte. Mois, on peut le défoncer. Hein. Ça me dégoûte, le mec il a une panoa, il frime, il tape même pas. Ok, on a compris, c'est parti là. Il va me donner la panoa quoi. arrêtez, non. C'est juste Dragon Cochon, c'est vraiment pas. Oui, mais faut la relique aussi. Ah. Comme. Ah oui, putain, je. Elle a été droppée, la relique, là. Tu vois, vite, elle a été droppée, ouais. La journée, elle est passée. Yukina, tu prends n'importe quel item, on s'en fiche. Prends juste ce que tu veux. Ok. Qui n'a pas eu de sac Kawatt, en vrai? Regardez dans vos inventaires, qui n'a pas eu de sac Kawatt? Je vous en offre un. Franchement, je m'en fiche. Oh, tu veux t'en... T'es sûr que t'en veux pas? C'est... Bah, quand t'as plus de pods, 800 pods d'un coup, c'est pas mal, hein. Bah ok, j'en veux bien. C'est sympa quand vous êtes full. T'as vraiment des problèmes de potes? Bah des fois ouais, t'as des problèmes de potes. Force toi. Ah oui. Ah ouais, 6000 potes, c'est... Ouais. Yukina, t'en as pas eu? J'ai vidé des fois. Hein. Non. Dans les équipements? Ok. Non, j'en ai pas. Ça remplacera moi, ton... J'en ai un... 800... Enfin, je regarde ce que j'ai... Ah. Ça te remplacera en fait le sac que tu mettais sur le dos quand t'as pas de place. Ça, je t'en donne un 919. Je l'ai pas. 919 pods. Hop là.